Yo, c'est Jean-Paul. Non, c'est Sark, bien évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire du Pokémon, oui. Enfin, du Pokémon, oui. On va se faire un coffret Pikachu. Voilà, un coffret Pikachu. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu une période de creux. Je sais pas trop quoi ouvrir. Donc du coup, bah, j'ai pris ce petit coffret Pikachu. Même s'il y a des boosters Star Étincelant et qu'on doit plus en ouvrir, hein, théoriquement. Je vais ouvrir ça parce que bah j'ai rien d'autre surtout. Donc du coup, bon voilà, on va s'ouvrir ça et on va s'ouvrir ça tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le coffret Pikachu? Eh bien, Pikachu, oui, incroyable, vraiment une logique qui défie mais toutes les lois, même les fumées pourraient s'y m'y prendre, vraiment, clairement. Pikachu, bien évidemment, oh, il est déjà là, le petit code du coffret, c'est pour vous, voilà, j'en aurai rien à faire. Et un petit Mimiki, voilà, je sais pas pourquoi, mais il est là, vraiment très très classe ce petit Mimiki là, regardez-le avec ses petits yeux scintillants, voilà. Forcément, la Jumbo, voilà, la Jumbo de Pikachu. D'ailleurs, je trouve la Jumbo ainsi que la carte très jaune. Alors, vous allez me dire, tu te fous de ma gueule, c'est Pikachu, normal que ça soit jaune, hein. Mais là, j'ai l'impression que vraiment toute la carte est jaune. Genre vraiment, je sais pas, comme s'il y avait un filtre jaune dessus, en fait, c'est un peu bizarre. Enfin, voilà. Bon, là, le Jumbo, on la met de côté. Mais surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien évidemment, les boosters. Et incroyable, j'ai deux Dracaufeu, j'ai un Ectoplasma et j'ai ça. Bon, alors bien évidemment, on va laisser deux Dracaufeu à la fin. On va faire du Ténèbres Embrasé en premier. Voilà, du Ténèbres Embrasé en premier. Et on va voir ce que ça peut donner. Bon, alors je vais le dire, vraiment, je n'attends rien du tout de ces coffrets. Voilà, genre, je pense que il y a vraiment pas grand chose dans ces coffrets. De ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai cru voir, il n'y a rien. Voilà, c'est pas comme dans le coffret Arceus où justement il y avait pas mal de choses. Il y avait vraiment pas mal de choses. Globalement, les gens ont eu de belles choses, moi notamment. Voilà, et d'autres personnes que j'ai pu voir. J'ai oublié le petit Trix. Hop, c'est 4. C'est déjà tellement lointain. Donc forcément, le petit code, le voilà, il est pour vous. La petite énergie, oui, comme je disais. Ouais, le coffret Arceus était bien et c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner et je vais en parler juste après. Mais la petite figurine d'Arceus, vraiment pas mal. Voilà, donc au prochain cut, je vais vous la chercher. Donc un petit Brésillon, voilà. Et ben il est sympathique. Assez sommaire, mais très sympathique. Une énergie repère. Un Parasect. Il est vraiment rigolo celui-là. Petit Cheribari qu'on avait vu. Soloshi, très mimi. Flamajou. Oh là, alors j'aime pas tout ce qui est Flamajou, Feu tout temps, toute la clique là. Mais. L'illustration est belle, voilà, l'illustration est belle, what to what, forcément, c'est toujours mignon. Un petit Snubbull, on va enchaîner avec Rongourmand, yes, trop bien, je suis trop content. Alors, et est-ce qu'on va avoir un hit derrière? Non, Lansargot. Bon, en ce moment, les rares de Lansargot, en plus, ça m'étonnerait même pas de l'avoir dans Star Étincelant. Parce qu'il y en a une aussi de cartes rares de Lansargot, et je veux plus l'avoir. Et donc me revoilà, genre, comme je disais, avec la petite figurine de Arceus. Et force est de constater que cette petite figurine de Arceus, elle est plutôt quali. Vraiment, elle est vraiment plutôt quali. C'est pas une joke ou quoi. Elle est vraiment quali. En tout cas, bien plus quali que celle que Micromania nous a fournie pour la préco du jeu Legend of Arceus. Ça, c'est clair et net. Et bah, ça fait une belle petite déco. Voilà, assez petite. Mécali, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, eh bien, on va enchaîner. L'Arceus, le dieu Arceus est avec nous. Voilà, il sera juste à côté, hein, en train de regarder l'opening. Et on va enchaîner avec du point de fusion. Voilà, donc pareil, j'ai pas. Oh, j'ai vu du petit Soso là. Fort goûtu. Voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en ouvrir beaucoup. Je l'avais oublié celle-là. Donc je crois que j'ai quelque chose. Voilà. Donc le petit truc là. Alors 1, 2, 3, 4. Oui, c'est vrai parce que j'avais oublié qu'il y a ce petit truc là.
Bon, au moins, on a au moins une holo. C'est déjà... voilà, je suis content, il y a au moins une holo. Donc, énergie eau, voilà, tout simplement. Le petit Serfrousse, plutôt sympathique, ce Serfrousse, en vrai. Je trouve plutôt rigolo. Il est plutôt bien illustré. Alors, je range un petit peu à côté, hein, voilà. Le petit Scorbol, vraiment très menaçant. Un Scolossandre qui est de pareil, hein, vraiment très menaçant. Alors, en plus avec les petits champs et tout, vraiment très rigolo. Bon, forcément, la petite carte de Soso, elle fait toujours très plaisir. Voilà. Le petit suivi de Cradopo, voilà. Bon. Alors, en vrai, bon, même si j'ai rien, moi je suis plutôt content. Je tire de plutôt belles cartes. Donc ça va. Flamajou, Mucuscule. En brochet, on aura Escavarenne. Waouh, c'était Rongourmand avant. Escavarenne, hein. Oh, c'est que du bon. Et est-ce qu'on va avoir un truc? On va avoir Plumeline, d'accord. On n'est pas censé avoir quelque chose, ou alors c'est seulement en Star Étincelante. Bonne question, mais en tout cas, c'est pas grand chose. Bon, on arrive aux illustrations de Dracaufeu, hein, et bon, hein, je continue à le dire, il n'y aura rien. Mais bon, c'est pour pas qu'il y ait une semaine vide, je vais pas vous le cacher, voilà, je sais pas quoi ouvrir. Et même si normalement on n'a plus le droit d'ouvrir du Star Étincelant, et ben j'en ouvre quand même parce qu'il n'y a rien d'autre, voilà. Mais il y a moyen. Alors, voilà, c'est cool. Bon. Bon, je sais ce qu'il y a, hein, à la fin. Allez. Énergie combat, le Luxio, toujours aussi classe. Capoeira, le bassin magma, un Mélofée, Kenotor et Lectek. Brutalibré, Mustebouet est derrière. On peut encore avoir, c'est vrai que j'en ai tellement eu peu, c'est-à-dire une, que en une en 30 booster d'ailleurs de TG. Hein, que du coup, bah c'est vrai que j'ai oublié que ça existe, mais on peut en avoir une. Est-ce qu'on va en avoir une? On me déteste, on me déteste, on me hait comme c'est pas possible, voilà. Super, Démolos, c'est trop bien, je suis très content, hein, écoutez, et derrière, il n'y avait rien, voilà, c'est pour ça que, enfin, vous avez dû le voir, je fais une tête un petit peu, voilà. Démolos, bon, ok, d'accord. Et voilà, le dernier booster, voilà. Bon, limite, j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. Vraiment, tous les boosters Dracaufeu m'ont pas régalé du tout. Bon, là, c'est... enfin, si, j'ai quand même eu un Démolos. C'est pas rien, mine de rien. C'est pas rien, mine de rien. Ok. Non, mais. Y a pas rien. Vraiment, faut arrêter les mauvais angles. Y a pas rien. Voilà, bon, c'est pas le plus ouf, forcément. Il pouvait y avoir 500 cartes, au moins, grand minimum, de bien. Bon, voilà, hein, comme je disais, il n'y a rien dans ces coffrets, voilà, c'est voilou. Et est-ce qu'il va y avoir une TG, c'est surtout ça le plus intéressant, hein, voilà, donc une énergie ténèbre, un Charter, une énergie double turbo, un Boscara, un Balbuto, le Stal Gamin, un petit Tarinor, un petit Crémy tout mignon, un Polarume et... Oh my god, il y avait quelque chose, oui. Il y avait quelque chose. C'est pas la plus nulle. Merci. Merci. C'est lui, c'est grâce à lui, c'est grâce au dieu Arceus. Il a veillé sur moi. Je vais faire l'opening juste après. Tu restes à côté de moi, hein, je te le dis au cas où. Mimiki. Voilà. Ça, t'es... Je suis content. Ok, là en vrai, je suis content. En vrai, je suis content. Bon, derrière. Je l'avais dit, la boucle est bouclée. On a commencé avec une rare de Lansargo. On termine avec une rare de Lansargo. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. C'était incroyable. Je le savais depuis le début. Mais alors celle-là. Alors attends. Avant d'y mettre mes mains velues et crades dessus. Elle vient là. Hop. On va la slip de suite. Voilà. Et bah, ça partira en gradation, comme je le dis souvent. En gradation, tout ça, tout ça. Il y a moyen que dans peu de temps, je les envoie. Voilà, il y a moyen. Quand je sais toujours pas. Vraiment, j'en sais rien. Vraiment, j'en sais rien. Mais je vais les envoyer parce que faut aussi à un moment que je les envoie. C'est quand même ça le but. Mais j'ai vu 2-3 sociétés émerger en ce moment. Et elles sont plutôt bien. Est-ce que je réussirai à avoir un slot? Je ne sais pas.
à savoir. Comme d'hab. Mais du coup, bon, de toute façon, je vous en parlerai. Bon, moi, je vais ouvrir le second coffret de suite. Vous aurez ça la semaine prochaine. Ouais, c'était une toute petite ouverture. Voilà, c'était assez tout petit. Voilà, hein. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà. Notamment, enfin, il n'y a rien. On a juste eu Pokémon Go, là, en ce moment, les révélations de Pokémon Go, qui, pour ma part, en vrai, je me disais, ça va être nul. Et en fait, c'est pas trop mal en fait. Notamment, pardon, les cartes de Mewtwo. Plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. Est-ce qu'on fera? Oui, je pense. Je pense. En plus, il y a un lot de coffrets incroyables. Avec des full art des leaders de chaque faction. Non, vraiment, faut le faire. Vraiment, je trouve que c'est un beau set. On attend de voir ce qu'il va y avoir comme TG dedans. Parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir des trainers galeries. Forcément. Donc, on va voir ça. Et bon. On verra, de toute façon c'est le 1er juillet, donc on n'y est pas encore, voilà. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez aimé de regarder cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai fortement aimé. Je pensais, voilà, comme d'hab, je pensais partir, je me disais, va rien avoir. Et en fin de compte, il y a tout, comme d'hab, je sais pas pourquoi. Je continue sur cette lancée, de toute façon, hein, c'est des ouvertures un peu balèques, un petit peu filler. Je suis désolé frère, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, eh bien, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis à la semaine prochaine, tirez de bonnes cartes. Tchuss.